Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, je devais la poster mercredi mais j'ai eu un souci. Je vais vous expliquer pourquoi et là vous allez me prendre pour une blonde. C'est qu'en fait comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai un nouveau joujou, donc un caméscope. Je vais vous en parler plus après. Et je l'ai testé, enfin je suis en train de le tester. Et pour tout vous dire, j'ai fait la vidéo mercredi, ça c'est sûr, je l'avais fait. Sauf qu'en fait, quand j'ai voulu la mettre sur l'ordinateur, bah c'était pas le bon format. Voilà. C'était un format, je ne sais pas trop quoi, mais bon, bref. Pas un format MP4, donc au final, j'ai pas pu la monter, j'ai pas pu la mettre sur l'ordinateur. Donc j'étais obligée de la recommencer, donc voilà. Tout s'explique. Faut toujours qu'il y ait un problème, de toute façon moi avec les numériques, les caméras, faut toujours qu'il y ait un problème. Avec les ordinateurs, faut toujours qu'il y ait un problème. Donc voilà, je porte la poisse au numérique, c'est pas possible. Enfin bon, bref, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de quelques nouvelles que j'ai à vous dire. Des bonnes principalement. Et à la fin je vais vous parler aussi de... un petit quelque chose. Donc je vais déjà commencer par vous parler du caméscope. Donc comme j'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai un nouveau caméscope, donc c'est le Panasonic. Alors attendez, je retourne le machin. C'est le Panasonic HC-V130. Donc voilà, c'est lui que j'ai. Il est vraiment super bien. Enfin personnellement, je vois au retour écran qu'il y a une bonne qualité. C'est à batterie, comme ça j'aurais plus de problème de pile. Oui. Donc voilà, je pourrais vous faire des vidéos, plein de vidéos. J'aurais plus de problème de pile. Comme ça, à chaque fois, je dirais pas, ben, je peux pas acheter de pile ou parce que j'ai plus de pile ou nanana. Là, j'aurais plus ce problème-là. Donc voilà, j'ai un nouveau caméscope. Donc j'espère que la qualité vous plaît. Là, je peux pas trop vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais avec quelques vidéos que j'ai prises, je trouve que personnellement c'est pas mal. Maintenant je vais voir ce que ça rend sur l'ordinateur. Et il est en full HD, donc normalement il y aura une très bonne qualité. Oui je sais, je regarde souvent au retour écran, mais c'est que ça me fait vraiment très bizarre. À l'origine j'avais une tonne de piles de jeux vidéo avec la glace pour faire un genre de retour écran avec l'autre appareil, c'était n'importe quoi. Là franchement j'ai besoin du trépied et du caméscope, c'est super, il y a moins de bordel. Donc voilà pour le petit caméscope. La deuxième chose que j'ai à vous dire aussi, c'est que s'il y a moins de vidéos aussi, déjà d'une parce que j'attendais justement le caméscope, et de deux aussi, c'est que je suis en plein déménagement, c'est qu'on va déménager le 1er novembre, si tout se passe bien, pour sûr le 1er novembre, mais si, autrement ça sera peut-être avant, mais pas après, vu que mon terme est le 7 décembre, voilà. Alors pour vous expliquer, je veux dire que la petite va sortir le 7 décembre, voilà, va arriver le 7 décembre. Donc voilà, je suis en plein déménagement, je fais 10 000 cartons. Et au final ça me fatigue, je suis énormément fatiguée après de faire ces foutus cartons. Je suis toute seule à les faire vu que mon copain il travaille. Donc voilà, je suis toute seule à les faire. Donc voilà, je suis assez fatiguée en ce moment. J'essaye de me reposer le plus possible. Donc voilà pour la deuxième chose. Cette vidéo va durer pas longtemps. En tout cas j'espère, je vais essayer d'aller le plus vite possible. La troisième chose justement c'est un rapport à la petiote qui va arriver, donc le 7 décembre. Donc c'est un rapport à la petiote. Comme vous le savez, je vais avoir un enfant, enfin on va avoir un enfant. Donc elle va arriver le 7 décembre. Et ça rapport aux vidéos, vous allez vous dire mais comment tu vas faire pour les vidéos, déjà que j'en fais pas beaucoup en ce moment. J'ai vu avec mon copain et comme lui son seul jour de repos c'est le mardi, le samedi après-midi et le dimanche 1 sur 2. Je lui ai dit je fais au pire le mardi tu t'occuperas de la petite et moi je ferai une vidéo et après pour les montages je verrai selon mon temps que j'ai
Quand elle dormira, au pire, je ferai le montage, parce que je n'ai pas non plus 10 000 ans à faire un montage. Voilà pour ça. Je crois que j'ai rendu la troisième chose, oui. Donc là, à la quatrième chose. Donc là, à la quatrième chose, et la quatrième chose, c'est un rapport à ça. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai posté cette photo-là, enfin ce livre-là. Donc c'est mis mon hamster. Et je vais vous parler de mon hamster. Donc oui, j'en ai eu un. Donc ça fait, ça va faire 3 jours ce soir qu'il est là. Donc oui, il est juste à côté. J'ai dû le prendre en vidéo avec le caméscope, je crois. Je vous ferai voir des vidéos. Mais voilà, ça fait 2-3 jours, et donc ça va faire 3 jours ce soir qu'on l'a. Donc c'est moi qui l'ai acheté, c'est mon animal à moi. J'ai voulu en prendre un. Pourquoi? Parce que j'avais envie, voilà, j'avais envie d'un peu de compagnie. Voilà, même si on a un gros chien, il est tout en bas, il monte jamais en haut. Donc voilà, lui il est en haut et il s'appelle justement Rustique. Donc c'est pour ça que j'ai mis Rustique en, sur le titre de la vidéo. Donc il est tout blanc. Je vous mettrai aussi des photos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Rustique. C'est un hamster. Si vous voulez si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur Rustique, dites-le moi en commentaire ou mettez un pouce vers le haut. Et je ferai cette vidéo avec plaisir. Et la dernière chose à vous dire, c'est qu'on est aux 300 abonnés. Oui, c'est bon, c'est fait. Ce qui m'a énormément étonnée vu que j'étais absente sur YouTube. Enfin, je suis de plus en plus absente sur YouTube. J'ai dit mes raisons, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà, je vous remercie vraiment à tout le monde, je remercie tout le monde pour vos abonnements. Vous êtes vraiment géniaux, sans vous je sais pas ce que je ferais. Parce que c'est vrai que d'un côté les vidéos ça m'occupe, vu que je fais rien entre parenthèses de mes journées, je travaille pas quoi. Donc voilà, ça m'occupe. En tout cas je suis vraiment très très contente qu'on soit arrivé aux 300 abonnés. C'est juste incroyable pour vous, c'est peut-être rien parce que les autres youtubeuses ont genre 300 000 abonnés, même plus. Voilà, moi je suis encore ici, hein, au lieu d'être là, je suis là, voilà. Donc voilà, mais tout le monde a commencé par là, de toute façon ça c'est sûr. Mais notre chaîne augmente de jour en jour et c'est vraiment super. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Si vous voulez une vidéo spéciale, j'en ferai une avec plaisir. Dites-le moi dans les commentaires quelles sont vos idées. Je mettrai aussi une photo sur Instagram. Je vous le demanderai sur Twitter. Et je le mettrai aussi sur Facebook. Si vous voulez un ask, voilà, on en fera une. On fera une foire aux questions. Donc voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, je le mettrai en bas hein, si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. J'espère que ces nouvelles vous ont plu. En tout cas, moi, elles me plaisent. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens seront en barre d'infos, comme d'habitude. Sur ce, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!
à la fin de la vidéo. Ouh. Ah. Sur ce, portez-vous bien, je vais...